on travaille pour ces gars-là. Plus on est à leur merci. Sale russe. Vassili, lui, contrôlait tout, au moins. Avec lui, on avait l'heure juste. Mais avec cette salope... J'en sais rien. Merde. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps là, derrière nous. Écoute, je vais te dire ce que je pense. Ce boulot, c'est ce qui fait qu'elle reste gentille. Ouais, moins on en sait, mieux c'est. Ok, et là on parle de quoi, transporter d'autres cadavres? Donc Franco et Marcus? On le fait avec eux? Ouais, on pourrait toujours le faire nous-mêmes, mais... juste en 3 minutes? Non, c'est impossible. Ce boulot doit être fait en plein jour. Il y aura des civils, du terrain à couvrir. On a besoin d'eux. Pas le choix. T'en fais pas. Je me suis entraîné avec Marcus. Ah, merde! Et attention au cuir, man. Ouais. En tout cas, ces gars-là... ils savent comment se comporter, crois-moi. Ouais, je te le dis, Mike. Marcus et moi, ça remonte à loin. C'est pas Marcus qui m'inquiète. D'accord. Ce sera dans 2 semaines. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Ici, Atlanta se réveille. Il est 7h du matin. Une nouvelle qui vient tout juste de nous arriver. Un déversement de diesel sur l'autoroute provoque un engorgement majeur. Contrôlant 70% de l'économie nationale, la mafia russe est reconnue comme étant une des mafias les mieux organisées. Leur chiffre d'affaires est supérieur à ceux de la mafia italienne et des cartels sud-américains concernant les villes, mais aussi dans la plupart des banlieues des communautés urbaines. Aimer un chien plus qu'une femme, c'est tout. Ah, t'as un petit ami maintenant, alors tu peux parler des femmes, hein. Hey Russell, où est-ce que t'as dit que ton frère a rencontré sa copine, celle dont il est amoureux? Assez. C'est l'heure d'avoir un peu plus de rigueur. Eh, vous avez entendu? Un peu de rigueur. Ok. T'as intérêt à pas te tromper ce coup-ci, Mike. Il était une fois un tsar qui vivait dans une belle demeure, avec un magnifique jardin. Un jour, le jardinier du tsar rapporta que quelqu'un avait volé les fruits dans le jardin. Déterminé à trouver le voleur, le tsar ordonna à ses 3 fils de surveiller son précieux jardin durant la nuit. À l'histoire, hein. Là, des renseignements importants. La radio, ça fonctionne? Test radio, 1-2, 1-2, test. C'est bon. T'es sûr? Ouais. Thank you.
Franco, le gars sur ta gauche. Qu'est-ce que c'est, les gars? On ne bouge pas! Tout le monde! Allez, tout vous voir! Je les descends! Attends! Toi, tu viens avec moi! Libérez les ondes, un message important va suivre. À toutes les voitures dans le secteur, un vol qualifié est en cours. Mike, l'appel vient de sortir. Tenez-vous prêt pour l'arrivée prévue des premiers répondants. Mettez vos mains pour que je les vois. Toi allez, les mains en l'air. Que personne ne bouge. Notez-moi le chaos. On est... Le visage contre le plancher. Reste sur le plancher. On ne bouge pas. Ouvre la bouche. Ok, 512 et 11 répondent. Ils sont en route. Pas très loin, Mike. Deux minutes et demie. Rapido, rapido. La 9e. Bien sûr. Nord sur Hill, est sur la 9e. Go! Voilà! Bien fait, vite fait! Ok, t'arrives à une intersection. T'as une ouverture. Prends-la. Ce truc de merde balance de la fumée. Merde, merde. Mais c'est quoi ça, merde? Je fais ça, ce truc. Gabe, prends l'entrée de l'autoroute devant toi. J'arrive plus à respirer. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mike, le laisse pas ralentir. Le laisse pas ralentir. Va sur la voie en sens contraire. Je vois rien du tout. Seul, c'est devant toi. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a trop de fumée. J'arrive pas à le prendre. Je peux plus suivre à cause de la collision, Mike. Va falloir vous débrouiller sans moi. Franco, débrouille-toi pour que les gens restent derrière. Dégage! Allez,
prie, calme-toi. On y va. Allez, vite, vite, vite. Tu la fermes ta gueule! T'es un pauvre amateur! Ferme-la! Pourquoi est-ce que t'as pris l'argent, espèce de con? Ils mettent un piège pour les imbéciles comme toi! Marcus, mets tes affaires dans le camion! Merde! Minable. 3 jours! À moins que je vous dise autre chose. Ouais, ben vous savez quoi? J'ai pris le risque, c'était imprudent! Mais vous seriez tous en train de me lécher les bottes si l'argent n'avait pas été truqué, vous le savez! Est-ce que c'est un jeu? Range ça tout de suite, Franco. Franco. Quoi? Tu pointes une arme sur moi, tu serais fou de pas l'utiliser, tu comprends? Compris, ouais. Ah, tant mieux. Allez arrêter des méchants, les détectives. Maintenant, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Hein? Qu'est-ce qui va t'arriver, tu penses? Quoi? Tu comprends pas ce que j'essaie de faire? Laisse-moi tranquille. Je te laisserai pas tranquille, frérot, parce que tu vas te faire descendre. Tu comprends de quoi Marcus et moi on parle? T'en fais pas, il y en aura plus de ces conneries. Hein? Mike est furieux. Mais Mike reste Mike. Les deux autres, Marcus et Franco. Eh oh. On doit s'en faire, tu penses? La police protège la police. Comme vos opérations spéciales. Ça ira. Ok. Ouais. Gabe est clean depuis 6 mois. Il essaie. C'était un bon policier. Je sais que ça te laisse pas indifférent. On est une famille, man. Une famille. Et en volant les gens. Dieu déteste le démon blanc.
C'est lui, l'immigrant illégal. Ouais, c'est vrai. Vous, monsieur, vous avez une cravate en satin autour du cou. C'est comme un nœud, le pendu. Dieu et sa justice l'emporteront. L'homme originel se lèvera. Il se lèvera, ok? L'homme originel se lèvera. Détective Allen. Il prendra sa place. La place qui lui revient de droit. Car Dieu et sa justice l'emporteront. Bon, ils ont tiré un coup de semence. Les trous ont été faits par des armes tactiques calibre 12. Allez. Ouais, on a affaire à des démolisseurs, une équipe de 4 hommes. M'en doutais. On récupère la vidéo. Merci. À l'instant même. La bombe de teinture rouge a détruit ce qu'ils ont pris en argent comptant. Et ce qui les intéressait, c'était un coffret de sûreté. Il appartient à qui? Il appartient à un russe très riche, Dimitri Petkov. La famille a déclaré qu'ils ignoraient pourquoi il avait un coffret ici. Lui, c'est Walter Sims, le gérant de la banque. Vous me donnerez ce rapport. Walter. Ok. Compris. Détective Allen, premier cambriolage, n'est-ce pas? C'est pas amusant, hein? Ils ont des photos de ma famille, de mes filles, où on habite, de l'école de mes filles. Vous êtes gérant de banque? Eh bien, vous savez sûrement qu'aujourd'hui, le monstre est rendu à l'ère du numérique. Prudence avec ce qu'on met sur Insta, Google, Tweetface. Ce sont des salopards. Hey, Walter. Impressionné, mon chéri. Au revoir, papa. Termine dans. Tu veux l'attendre? Je peux lui faire le message si tu veux. Je veux l'attention de tout le monde. Je viens d'apprendre à l'instant que le capitaine attend encore de certains d'entre vous le rapport sur l'initiation du gang de rue. Smith. C'est encore pareil, sergent. Ils font un cercle et ensuite ils se tapent dessus à qui mieux mieux. Ensuite, ils font la calade. Ben, écris-le. Désolé, sergent. Et la First City du centre-ville a été cambriolée ce matin. Apparemment, ils étaient lourdement armés et parlaient espagnol, ce qui nous limite à un peu moins que le quart de la ville. Je suis offensé par l'allusion raciale de cette remarque, sergent. Ils vivent tous dans ton duplex à une chambre, on devrait donc les trouver facilement. Oh, bon, Marcus, ça va, il était chez moi. Oh, chupa mi bella. Faites des appels, vérifiez avec nos gars. Jeffrey Allen, des crimes majeurs, supervisera l'enquête. En passant, laissez-moi vous présenter son neveu Chris. D'où tu débarques déjà? Zone 2, unité 5. Ah, c'est dangereux dans ce coin-là. Brigadier scolaire. Deux, hein? Belmont, en équipe avec Allen. C'est pas vrai, man. Il t'aidera peut-être à arriver à l'heure au travail. Quoi, c'est sérieux? Et rappelez-vous, le premier qui trouve une arme a droit à un jour de congé. C'est tout pour le moment. Sergent, est-ce qu'on pourra en discuter? Oh, non. Toute une équipe. On cherche quelque chose en particulier? Comme toujours. Maintenant, tu descends de là. Ça suffit. Je t'ai dit de descendre. Si tu veux avoir des ennuis, bah, tu vas en avoir. Bah, moi, je m'élève mes oignons jusqu'à ce que ces crétins arrivent. Descends de là tout de suite. Plus rien de mal, je m'amuse. Descends, ton bébé, moi, je... Merde. Comment t'as fait pour monter là-dessus? Ok, allez, mes jolies. Maintenant, circulez, y a rien à voir. Je vous défends, regardez mes fesses, compris? En conclusion, il serait donc possible qu'ils aient des liens avec le cartel et la mafia russe. Voici un reportage de notre correspondant, William Moran. S'il est juste de croire qu'elle contrôle 70% de l'économie, la mafia russe... D'accord. Ouais, écoute, je vais te rappeler plus tard. Ouais, merci. Le boulot, ça va? Les nouvelles de Marcus? Silencieux comme une ombre. Parfait. Je vous verrai dans 2 jours, les gars. Un haut fonctionnaire du département d'État aurait déclaré, et je le cite, que tous les individus fichés en tant que membres de la mafia russe possèdent aussi un passeport ukrainien.
Tu sais comment ça fonctionne. Doucement, l'écran de sûreté est enlevé. Alors, mon grand. Papa. Comment tu vas, hein? Tu vas manquer. Ouais, beaucoup. Il n'y a pas de plus grand amour que celui d'un père pour son fils, hein? Suis-moi. Tu sais, Michael, Vassili va téléphoner. Nous te sommes reconnaissants pour ton travail, mais étant donné les circonstances, nous allons devoir retenir le paiement. Il y a un autre travail. Non! Nous, on a fait le job, ben nous, maintenant! Tu connais ma sœur. Ma sœur s'est toujours retrouvée avec des hommes stupides. Pourquoi? Ça, je l'ignore. Mais peut-être que ma sœur aussi est stupide. C'est énorme de dire cela de sa propre sœur, c'est sûr. Mais elle est d'une grande beauté, et avec ça, on va très loin dans la vie. Mais regarde-la dans les cieux, et tu verras un grand vide, béant de stupidité, et aussi un manque total de jugement pour les hommes. Mais l'amour exige beaucoup de nous. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Il va rappeler encore. C'est exact, oui. Salut, Macron. Elena. Allons-y, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici, Irina? Les foutus fédéraux? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Merci, Elena. Privet Aragoé. Oui, je viens tout juste de parler à Michael. Mm-hmm. J'étais sur le point d'aborder ce point avec lui. C'était pas ça, la putain d'entente. Non, allez. Michael résiste encore à l'idée de faire un deuxième travail. Oui, je sais. Le FBI a retracé les fichiers. Ils sont en la possession de la sécurité intérieure. И немедленно. Я надеюсь, тебе не надо напоминать, что от этого зависит мое освобождение. Тогда давай Майклу не дадим никакого выбора. Я хочу, чтобы его прессанули, чтобы он это понял. Yoman, on a un problème. Ah, c'est quoi? Irina? Ouais. Bah, il faut qu'on soit tout de suite. Tous les gars, on est en train de se faire avoir. Il y a un autre boulot qu'ils veulent qu'on fasse. Ces gens-là respectent pas leurs paroles. Oh, man, on aurait dû couper les liens avec eux il y a des années, après l'Irak. C'est pas facile quand t'as un enfant dans l'histoire. Je vais appeler ton frère. Bon, bientôt. Ah, c'est ça. Yo! Qu'est-ce qu'on fait ici, Mike? Où est Russell? J'en sais rien, c'est ton gars, fous-lui un GPS dans le cul. Yo, Gabe, où il est passé, ton frère? N'en parle pas. Il s'est jamais montré. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il refuse de payer. N'importe quoi. Il y a un autre job. Mais de quoi tu parles? Elle dit que ça vaut 3 millions en plus de sa dette. Bien sûr qu'elle dit ça. Elle n'a pas encore payé, alors pourquoi payer plus tard? Foutaise! Elle se moque de nous. Elle a eu ce qu'elle voulait. Quoi? Elle a eu ce qu'elle voulait. Pourquoi je devrais négocier avec cette salope? C'est toi qui nous as entraînés dans cette histoire de merde, alors maintenant débrouille-toi. Uh-huh. Tu t'arranges avec ça. Ouais? Ouais. Toi aussi, t'es dans la merde, Franco. Comment ça? Elle a les fédéraux dans sa poche, bébé. Merde. Ouais. Les fédéraux? Je les ai vus, moi, à côté, dans une pièce, comme une belle famille. Est-ce que je dois rappeler à chacun de vous combien les fédéraux adorent les policiers corrompus? Regarde qui a décidé de venir. Recule, c'est dit, recule! Dégage! Éloigne-le d'ici! Lâche-moi!
Lâche-moi! Sors-le de la voiture, Mike. Allez, sors-le de là. Non, il a les mains attachées, j'y arrive pas. Sors-le de la voiture, Mike. Ok. Ok, on va sortir. Ça va. Oh, merde! Merde! Vincent. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien de bon. Il s'en sortira pas. Russell. Tu veux que je t'arrange ça? Si. Encore Michael. Je sais. Tu sais. Salut, Rinchka. Tiens. C'est à toi qu'il veut parler. Je vais me coucher maintenant. Oh, comme vous avez de grandes dents. Il y a des gars qui ont mis ça pour commettre un vol il y a quelques soirs. Ingénieux. Éteins la lumière, tu veux. Alors on est d'accord, cette histoire d'accent espagnol, c'est de la foutaise. Ces gars-là font pas partie du cartel. Dis-moi si tu remarques quelque chose. Pas des gars de la rue. En fait, aucun doute, ils sont entraînés. C'est certain que parmi eux, il y a des militaires. Azarine. Qu'est-ce qu'elle veut, au juste? Elle l'a pas encore dit. Peu importe ce que c'est dans un édifice du département de la sécurité intérieure banalisé. C'est une station de pesée pour le matériel sensible entrant et sortant du pays. Combien de gardes? On n'en sait rien. Mais sûrement des tas de gardes. Et aussi des équipes tactiques privées, plus une unité d'élite de location. Alors on parle de quoi? 4 ou bien 5 minutes au plus? Non, man, non. Plutôt 10. Non, ça c'est impossible. Ils vont nous tomber dessus en 3 minutes. Ils nous tueront jusqu'au dernier si on ne fait pas le coup. On pourrait faire un 999. C'est pas une si mauvaise idée. Ça nous donnerait 10 minutes. Oh, bon sang. 20 minutes. Tu rigoles. Ce que yo, tu dis yo, yo, ridicule. Yo, ça suffit le jargon de police. Alors, un 999, qu'est-ce que c'est? Seigneur. Tu dois l'adorer, ton boulot. Eh, essaie de pas salir ton beau costume de merde. Salut, ça va? C'est pas un problème. J'en ai deux. Derek Limey nous a envoyé un message du fond de sa prison. Ça ressemble à ça. Hé, les génies, on peut fermer ce truc? Merde. Chris? Lui, c'est sergent Franco Rodriguez, détective. Détective, c'est Chris, homicide. Mon nouveau partenaire. Il vient tout droit de la zone 2. Pas
travailler dans la zone 2, alors. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Oh, j'en sais rien. Je dirais, no dejes que la lengua hable, lo que la cabeza tenga que pagar. Celui qui parle trop est souvent réduit au silence. À peu près ça. C'est ça? Hein? Ça ressemble à ça? Ok, je vais aller voir s'il y a un témoin. Enchanté de t'avoir rencontré, Rodriguez. Aucun visage familier? Ces deux-là, aucune idée. Mais celui-là ici, c'est Pedro Marquez. Affilié? Loco sur Trece. C'est le comté voisin. Et j'ai aucune idée pourquoi ils seraient dans le coin. Ils cherchaient peut-être leur corps. Un de vous est allé voir ces gars-là? Non, pas encore. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous êtes là depuis un bout de temps? Ouais, tranquille. Ne pas être agressif avec moi, j'ai juste quelques questions à vous poser. Tu viens ici et tu veux nous mettre ça sur le dos? Hein, putain? Cabron de merda. J'ai rien dit de ça. Non, c'est ça que t'as dit, putain de salaud. J'ai rien dit. Moi, j'essaie de savoir si par hasard t'as vu quelque chose. Fuck you, Rura. Ok. Tu sais quoi? Je vais t'enfoncer tes couilles profondément dans ton putain de trou de merde jusqu'à... Tu veux bien aller aider ton partenaire là-bas? Fils de pute. Les notes sont trop serrées, foutu pourri. Ferme ta gueule. C'est quoi ton ta gueule, j'ai dit? Un jour, je vais te massacrer. Le détective, t'as dit de fermer ta gueule, et ben tu la fermes ta gueule. Celui-ci, toi, suis-moi. Dégage tout de suite. Suis-moi, j'ai dit. Hé, hey, bonhomme. C'est l'heure de ta cigarette. Allez, va dehors. Tu fermes 5 minutes. Quelle idée de ce qui s'est passé? Dis-moi à quoi tu joues, man. Et si je te retournais la question? Moi, j'ai pas jeté un gars par terre et incité à l'émeute. Il m'a manqué de respect, t'as rien entendu? Manqué de respect? Quoi? Ça t'a vexé? Ici, c'est la vraie rue. C'est comme ça qu'il parle. Non. Tu sais même pas qui c'était. C'était de l'obstruction. Il m'empêchait de faire mon enquête, ok? Tu te crois à la petite école, Chris? Il y avait pas du tout d'obstruction. C'est Luis Pinto, un lieutenant de la Mara Salvatrucha. Tu crois que quelqu'un va parler maintenant? Oh, c'est un lieutenant. Ouais. J'en savais rien, je devrais peut-être aller m'excuser, tu penses? C'est pas un putain de jeu, Chris. Les règles sont différentes ici, on n'est pas à Buckhead, d'accord? Alors tu ferais mieux d'apprendre, et vite. C'est à moi de parler, écoute bien. Si t'as un problème avec moi, ben je joue carte sur table. Mais t'as pas à me mettre de côté et me questionner comme si tu savais des choses que j'ignore. Toi, tu laisses ce genre de trou de cul te parler comme ça devant tout le monde, et ben, c'est toi qui as des explications à donner. Laisse-moi tranquille maintenant et laisse-moi faire mon job. Parce que là, t'as tout compris, hein? Ôte le verrou, imbécile. Alors si on fait un triple neuf, ça nous donne quoi? 10 minutes assurées? Tuer un policier, ça donne une pleine journée. Quand un appel entre et que c'est un 999, toutes les unités dans le secteur se dirigent là où le policier a été tué. La saison de la chasse est ouverte. Tout le monde veut faire la peau à l'assassin. C'est comme attirer toutes les mouches avec un seul pot de miel. Et toi, tu penses être capable de faire ça, Franco? Oh, oui. Ok. C'est toi le policier. Mais toi, assure-toi donc qu'on se fasse payer. Occupe-toi du 999, Franco. Moi, je vais enterrer mon ami. Son frère. À moins que tu veuilles venir creuser avec nous. Ouais, ça, j'en étais sûr. Hé. Hey. Hé, hey, Gabe. Allez, viens. On s'en va d'ici. Ça va? Allez, on y va. J'aurais dû m'en douter. Il doit bien y avoir une autre façon de faire. Pourquoi tout à coup ta conscience te tracasse? Est-ce que c'est parce qu'il porte un badge? Il y a une différence, Franco, et tu le sais. Ah ouais? Oui. Foutaise. À combien de funérailles de policiers t'as assisté depuis 5 ans, hein? Et tu te dis la même chose que chaque policier présent se dit.
C'est mieux que ce soit lui que moi. Si t'as un problème avec ça, Marcus, je le ferai, moi. J'ai aucun problème à descendre policier. Je les descends comme ça. Oh, oh, oh. Allez, sur ta droite. Allez, donne-moi ça. Raté. À quel jeu tu joues, oncle Jeff? Rien, on fait rien. Alors, dis-moi, comment ça va au boulot? Je sais pas trop, ça va bien, oncle Jeff. Je voudrais faire avancer les choses. Je sais que ça semble ridicule. Pourquoi tu rigoles? Faire avancer les choses. Tu feras pas avancer quoi que ce soit. Tu peux oublier ça tout de suite. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Ton job. Toujours être sur tes gardes. Être plus féroce que les monstres. Et rentrer à la maison le soir. Oncle Jeff. Tu peux faire ça. Est-ce que tu veux rire de moi? Non. Toi, tu sais par où je suis passé. Des endroits 100 fois plus dangereux que... Moi, je m'inquiète pour toi. Tu ne réalises pas, toi. Tu sais rien de tous ces foutus salauds putain d'enfoirés. Tu sais, ils ont peut-être des armes sur eux, là. Et j'ai juré à ta mère. Je lui ai juré. Et je peux pas te protéger. Fais-les payer, ces salauds. T'as qu'à en prendre un au hasard. Hé hey. Hé, les couillons. Il y en a qui sont armés en ce moment. Je t'en prie, Jeff, une arme sur toi. Qu'est-ce qu'il veut, hein? Jeff, assieds-toi. Assieds-toi. Laisse-les. Range ça, d'accord? Range ça. Range ça. Et qu'est-ce qu'il veut, Trevor, pour son anniversaire? Un revolver. Sérieux? Il veut un revolver jouet. Oh. Un jouet. Ouais, c'est sûr. Comment tu vas, mon grand? Ça va? Oui. Ok. Allez, on va enlever ton manteau. Assieds-toi. Et voilà. C'est bon. Reste là, tu veux? Je dois parler à ta mère. Toi, t'es en retard. Et toi, t'as de la chance d'avoir le droit de le voir. Je dois voir ta sœur. Pourquoi elle ne répond jamais quand je lui téléphone? Michael. J'ai dû convaincre ma sœur de t'épargner, ok? Alors sois reconnaissant. Tu dois faire ça pour moi, ok? Ou alors tu fous le camp. Je vais essayer d'arranger ça. Maintenant, grouille-toi. J'ai seulement une heure. Félix, reste pas là, recule. Voyons, tu vas quand même pas faire ça devant mon fils. Allez, va rejoindre ta mère. Assieds-toi, Michael. Tu veux du thé? On a beaucoup de choses à discuter. Ah ouais? Alors de quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu veux parler de Russell? Oui, c'est ça. Si tu veux qu'on fasse le coup, alors tu nous fous la paix à moi et mes hommes! Tiens, mon chou. Alors, maintenant que cette question est réglée... Vassili voudrait savoir comment les affaires progressent. Eh bien, tu peux lui dire... On a trouvé comment on va opérer. Excellente nouvelle, il en sera très content. Oui. Attention, les gars! En fait, je crois que je préférerais que tu regardes juste du porno. C'est ce que j'allais faire. Ah, ok. Chris, est-ce que t'es en train de bouder? Non. En tout cas, c'est ce qu'on dirait que tu fais. Et
Tu le voulais, ce job, rappelle-toi. Ouais, ça... C'était avant que je sache qu'il venait avec un trou de cul comme partenaire. Je t'en prie, mon amour. Tu dois travailler avec ces gars-là. Depuis quand est-ce que mon super-héros se laisse atteindre par quiconque? T'as pas à t'en faire pour moi. Arrête un peu de t'apitoyer sur ton sort. Tu viens te coucher maintenant? C'est pas un problème. T'es sûr de ça, Marcus? Je m'en fous complètement de ce gars-là, ok? Il est parfait. À l'instant où Jeffrey Allen apprendra que son neveu est mort, il enverra tous les policiers vers cet appel. Pas vrai, Franco? Je l'ai vu. C'est lui qu'il nous faut. Je sais où on peut faire ça. Les vieilles habitations abandonnées de l'autre côté de Washington. Ok. Voilà une chose de réglée. Ce gars-là a rien fait. Est-ce qu'il a une famille? Il s'est tué au moins? Ça change rien. Si on doit choisir entre nous et ce policier de merde, ben ce serait idiot de notre part de laisser aller cette chance. Dis-le, Gabe. Dis que tu comprends. Russell aurait trouvé une autre solution. C'est rien de plus qu'un autre job. Rien qu'un autre foutu job. Si tu veux en être, ressaisis-toi tout de suite. Il doit bien y avoir. Fais pas ça, Mike. T'as une meilleure idée? Quoi? Non mais est-ce que tu t'es regardé, hein? Vas-y, regarde-toi, minable! Allez, fous le camp d'ici! Sors de la voiture! Dégage! C'est la maison juste là. C'est lui, notre gars, petit gros sur le balcon. Je vais aller parler à ma source. Tu veux venir avec moi pour constater les résultats de ton bon travail de policier d'hier? Très drôle. Ok. Et toi, t'es qui? Dis pas ton nom, compris? Je sais, t'es le policier qui a embarqué Louis l'autre jour. C'était un malentendu. Et pourquoi tu vas pas embêter d'autres gars? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi vous allez pas à l'école? Tu vois ce que je veux dire? Parce que les jeunes ont l'école à la maison. Tu leur enseignes? Ben moi, je lui enseigne plein de trucs, tu vois. Ah ouais? Ben j'ai une question pour toi. Le signe Maras Albatrucha, d'où il vient, tu peux me dire? Il vient d'ici. Ça vient d'ici, ça. Black Sabbath. C'est qui, lui, Black Sabbath? Hé, hey, les ravoquettes, vous n'allez pas à l'école? Grouille, va-t'en à l'école, man. Sinon, je vais t'arrêter. Ok, continue là-dessus. Ok. Il y a encore deux ou trois sources à qui je dois parler. Je te rappelle plus tard. Ouais. Oh, y a quelqu'un qui s'appelle Sweet Pea qui vous a rappelé? Ok.
Allez, viens, chérie. Sois gentil et entre préparer le bar, j'ai besoin de 5 minutes. Ok, fille. Merci. Je trouve que t'as l'air en forme, Sweet Pea. Merci, papy. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? Mon chou, je veux pas être mêlé à ça. Quand il est parti, l'autre gars est venu. Il avait l'air de chercher. Eh ben, j'écoute. Papy, écoute. Maman va se faire tuer si jamais quelqu'un sait que je te parle. Alors ça va te coûter très cher, et là, je parle pas de petite monnaie. Tu vas devoir briser ta grosse tirelire. Cinq mille, si ça m'est utile. D'accord, je vais te le dire, mais c'est fini ensuite, Jeffrey. Parce que maintenant, je travaille ici, ok? C'est mon travail et c'est tout. Alors plus de faveurs. Ok. En tout cas... L'autre soir, j'ai entendu une autre pute qui racontait à une autre fille des histoires horribles, tout droit sorties d'un mauvais film d'horreur. J'ai entendu que des bribes, mais cette fille arrêtait pas de parler d'un gars qui était recouvert de teinture rouge, comme la queue du diable. La fille qui racontait cette histoire disait que son homme avait cambriolé une banque, et ensuite que tout avait foiré. Et cette fille qui t'a raconté ça, dis-moi, elle s'appelle ? On l'appelle Léa. Une pauvre vieille junkie bitch. Elle danse ici de temps en temps, sinon je la vois dans la rue à l'occasion. Ils ont pas de bébé, ils ont juste une poussette remplie d'eau. Regarde, il a l'air de connaître ça, hein. Il replie la poussette, ça t'en prend. Fernando Rivera, surnommé le Termite. Tueur à gage pour la mafia mexicaine, fraîchement sorti de prison. Il vient de faire 12 ans pour trafic. Son officier de probation nous a envoyé un mandat d'arrêt pour violation de conditions. On peut l'interroger à propos des têtes de la semaine dernière. On verra ce qu'il a à dire. Barry Bouclier, Smith deuxième, Gomez Bélier. Deuxième équipe, Jackson Bouclier, Bracco tu cours. Et Chris, tu veux conduire l'opération ? Go. Rentre chez toi! Ta gueule! Je suis chez moi ici! T'as pas à me dire si je dois rentrer chez moi! Bélier! Siempre jodiendo con la gente, viendo. Police! Vérifie la garde-robe! Rien! Le divan à gauche, escalier à droite. Compris. Allez! Vérifiez le divan. Le divan! Allez. Rien. Couvrez-moi. On monte. Vérifiez la salle de bain. Il y a un bébé sur le lit à droite dans la chambre. Moi je vais à droite, toi à gauche. On y va. Rien. La garde-robe derrière moi. Que quelqu'un s'occupe du bébé.
Contact. Rien. Termite, sors de là tout de suite. T'arrange pas pour que ton bébé se fasse tuer. On entre. Ouvre la porte. Je te couvre. Deux, la garde-robe sur la gauche. Trois, derrière la porte. La garde-robe à gauche, c'est bon. Bon, rien. Garde-robe, rien. On monte. Salle de bain à droite. Salle de bain, rien. Trois, la garde-robe à gauche. Deux, va à droite. Ok, garde-robe. Regarde sous le lit. Rien. On monte. 3, la chambre à droite. 2, la salle de bain. Okay. Salle de bain, viens ! Chambre, viens ! On descend. Je te couvre derrière. Absolument. Il est dehors, attends ! Il s'enfuit ! Go, go, go ! Go, go, go ! Bouge pas tout de suite ! Ça va. Oh, go. Côté sud, se dirige vers l'est. Marcus, donne-moi ta position. Vos mains! Montrez-moi vos mains! Couchez-vous par terre! Par terre! Vous avez vu quelqu'un? Par où ils sont allés? Dépose ton arme! Recule tout de suite, putain de flic, ou il meurt!
il s'appelait? Tank. Ça, c'est un nom. C'est génial comme nom. Ouais, génial. Ouais. Je suis désolé. J'ai aucun souvenir de ce qui est arrivé hier. C'est fou. Non, Marcus, c'est une réaction à un choc de survie. T'as un cerveau noyé de substances. Le cerveau frontal travaille plus, celui du milieu s'enflamme. Je l'ai jamais vu arriver. Tu vois, il est sorti de nulle part. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'était pas arrivé à toi. C'est peut-être parce que je suis un putain de salaud. Je vais aller pisser. Amuse-toi. Tu sais de quoi parle cette chanson, Michael? Non? Alors je vais te le dire. Elle raconte l'histoire de deux amoureux, trahis par les secrets qu'ils cachent aux autres. Et ils doivent faire un choix, l'exil ou la mort. Comme moi et mon cher Vassili. Vassili rentre finalement à la maison avec moi. Une fois que tu auras terminé ce travail, ils vont le relâcher de sa détention. On sera à nouveau une famille unie. Où est Félix? On possède les secrets des rois, lui et moi. C'est pourquoi on a survécu si longtemps. Où est Félix? Félix et Elena ne seront pas avec nous ce soir. Tiens, écoute-le toi-même. Elena? Michael. Où es-tu? Irina t'a rien dit du tout? Je te pose la question une dernière fois. Où es-tu? Félix, mon chou, c'est ton papa. Papa voudrait te parler. Alors, tu viens? Félix, non, fais. Elat, notre maison familiale, à 3 heures au sud de Tel Aviv. Félix semble s'y plaire. Il adore la mer. Moi, j'apprécie pas trop. Il y a quelque chose que je trouve idiot là-dedans. Regarde, il est si mignon. Tu vois, et là, c'est Elena. Irina, on le fait, ce job. On le fait, ce job. Elle a vraiment un beau cul, ma sœur. Donc, ça, c'est l'objectif. C'est la clé et les codes de sécurité dont vous aurez besoin. Le coffret arrivera demain soir, il sera là 24 heures, ensuite il sera expédié. On se rencontrera une autre fois après ça. Comment ça ira, ça dépend de toi. Et ensuite, on décidera quand Félix reviendra de vacances et rentrera à la maison. Il y a péril en la demeure, Michael. Il ne reste plus de temps.
Ok les gars, écoutez ça. C'est le silence tout à coup. Écoutez tout le monde. Ça, c'est le cerveau d'un policier. Ok ? Ça, c'est le cerveau d'un policier qui a pris de la dope. C'est bien ça. Ça, c'est le trou de cul d'un policier. Ça, le trou de cul d'un policier en Superman. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça, c'est un gros trou de cul. Ouais, super trou de cul. C'est à peu près de cette taille, c'est pas si grave. Faut qu'on se parle. C'est qui ce gars-là ? T'en fais pas, mon gars. Minute. Hey, Jack, serre-leur à boire, ok ? Allez, c'est ma tournée. Ça marche. Vous avez entendu, les gars ? C'est Marcus qui paye. On veut une autre bière, c'est bon ? T'es vraiment malade de venir ici. Ici, un gars de mon secteur t'avait reconnu. Relève-toi, espèce d'imbécile. Fais-moi ça, Marcus. Tu reviens me voir une autre fois. Je t'assure, je te descends, compris ? T'as déjà utilisé ton revolver. Descends-tu un caca vers le fait qu'il ne méritait pas. Je te connais, Marcus. Tu penses que non, hein, mais je te connais. Tu ne le feras pas, je le sais. Je peux le voir dans ton regard. T'es un foutu lâche. Je le sais, quoi. Tu crois que ça fera de toi un homme, peut-être. Ta gueule. Ferme ta foutue gueule. Ça va, Marcus? Ouais, ça va. Il s'en allait, justement. T'as entendu ce qu'il t'a dit, l'officier ? Allez. C'est quoi son problème ? C'est une merde, ce gars. Une source que j'utilisais. Allez, on rentre prendre un verre. Et on oublie tout ça. Tu rentres tout de suite. Je vais seulement faire un tour. J'en ai rien à foutre. Rentre tout de suite. Mais qu'est-ce que t'as là ? Tu ramènes ton cul à l'intérieur tout de suite. Qu'est-ce qu'il prend, merde ? On passe coup là ce soir. Pinguez, arrête ! C'est le petit copain ? Ouais. Ouais, tout au numéro. Bon, alors tous les deux, tu vas les faire suivre. J'ai déjà beaucoup d'infos sur eux, alors. Pas très sain, Cognette. Oh, enfin j'ai trouvé. 7-8-7-8, répondez. David, 18-45, 6-7-David, 1-2-1, numéro 1. Information sur véhicule. C'est dégoûtant. Ah ben... Ce qui reste, je prends. J'écoute. J'ai les infos. Gabriel Charles Welsh, 35 ans. Il a servi 3 ans dans les forces. Oh, merde. Ouais, il a accumulé bien des réprimandes avant qu'il soit renvoyé pour une fusillade douteuse. Douteuse pourquoi ? Suicide par un policier. Des associés ? Il n'y a rien à cet effet. Eh bien, s'il y en a un, il y en a un autre. Link, tu trouves toujours ce que je veux. Je suis sûr que tu y arriveras ce coup-ci. Foutu policier. Tout ça peut aller d'un côté comme de l'autre pour toi.
petit ami de Gabe et son frère marche avec un dénommé Michael Atwood. Garde un œil sur lui. Elle dit aussi que son frère Russell a été blessé mortellement l'autre jour. Essayons de voir si on peut pas trouver le cadavre. Ok. Attends une seconde. Écoute, Ling a essayé de te rejoindre. Et elle dit que Gabe Welsh s'est arrêté finalement dans Highland Park. Et depuis, il est sur sa moto en face d'une maison. Highland Park? C'est quoi l'adresse, dis-moi? 806 Willow Drive. Appréhendez-le sur le champ. Envoie toutes les unités disponibles à cette adresse. Ok, bien reçu. Patron, on l'a perdu. Oh, Seigneur. Perdu qui? Pourquoi tu réponds pas à ton téléphone? Désolé, écoute, Jeff, tout va bien. Tout va bien, je te dis. C'est qui ce gars-là? Gabe Welsh. Tu te connais peut-être? Non. Jamais entendu ce nom-là de ma vie. Ce gars-là, il a été policier. Oh, il est là, le petit coquin. Alors, toi, ça va? Allez, chérie. Va bien. Ok. On va rentrer. Ouais, allez-y. C'était un policier. Maintenant, il fait partie de l'équipe sur laquelle on enquête. Allez. Pourquoi il serait passé ici? Qu'est-ce que... Ça, j'en sais rien. Tant qu'il était sur lui, peut-être que c'est toi qui voulais voir. C'est... Ce serait trop une coïncidence. Écoute. Michael Atwood, ancien entrepreneur de sécurité privée. Il travaillait pour Blackwater. Lui et Russell Welsh ont été inculpés pour trafic d'armes lors d'une enquête fédérale avec Vassili Vlaslov en 2008. Les charges ont été abandonnées après la disparition de 4 témoins. C'est qui ça, Vassili Vlaslov? Un juif russe. Patron de la mafia russe, pour être précis. Écoute ça. Poutine avait tellement peur de lui qu'il l'a envoyé au goulag il y a 4 ans sans accusation. Irina, la femme de Vlaslov, dirige l'organisation à partir d'ici. En toute visibilité. C'est le gros méchant loup. La foutue cachère Nostra. Exactement. Le capitaine veut qu'on la surveille. Il a déjà fait ses recommandations. Quoi? Tu dois t'occuper de Gabe. Je te l'ai dit, je m'en charge. Vraiment? Eh ben, Gabe est maintenant sous surveillance, Mike. Il y a plein d'agents autour de lui au moment où on se parle. T'es certain? Ouais. Sa putain de petite amie a parlé. Ils font le lien avec moi? Pas encore. Mais ce sera pas long. Et il est au courant de tout. C'est pas une demande que je te fais. C'est un ordre. Occupe-toi de Gabe. Mike. Tu vois ce que tu m'as obligé à faire? Tu vois ce que tu m'as obligé à faire? Excuse. Mike, fais pas ça. J'en ai assez de toi. Tu comprends, j'en ai assez. Mike. Si ce n'est pas de ton frère, je t'enterrerai tout de suite, toi, ta foutue salope de merde. Fais comme prévu, toi, tu te tiens loin. Ok, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais, Léa? Tu disparais maintenant. Je pars, je suis parti, je te promets, Mike, oh. Je te promets, Mike. Est-ce qu'on a retrouvé Gabe Welsh? Non, on le recherche toujours. Et puis Michael Atwood? J'ai mis une unité devant chez lui, mais il n'y a personne. Mm-hmm. Irina Vlaslov?
Le juge a refusé notre demande de mandat de surveillance. Pourquoi on ferait pas le suivi des anciens militaires criminels? Ouais, il y en a des centaines, mais on continue de les passer en revue. On en est là? Pour l'instant, mais... Oui. Mais Patterson travaille sur quelque chose. Il y a quelqu'un dans cette pièce qui croit en Jésus-Christ, notre Seigneur et foutu sauveur, et tous ces misérables et lamentables saints? Ben, j'ai été élevé dans la religion. En tout cas, pas moi. Alors, croyez-vous que peut-être, qu'en tant que policier, on a un sixième sens qu'on appelle l'intuition? Ouais, peut-être bien. Ça se peut. Ben, je dirais que oui. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui pensent que peut-être quelque chose d'énorme va bientôt se produire? Oui, patron. Bien entendu. Alors, est-ce qu'il y en a qui pensent que peut-être ce serait mieux de faire plus que seulement rester assis et de me répéter « J'en sais foutument rien !» Hein ? Ouais. Appelle-moi s'il y a du nouveau. La surveillance a perdu Gabe hier soir, et les crimes majeurs te recherchent. Bah, ils vont chercher encore longtemps après aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec le plan? Alors tout est cool? Ouais, Mike. Ouais, on est en main, y a aucun problème. Détective Belmont, t'es prêt à faire des saloperies? Hein? Je suis un salaud. C'est trop vrai. Je sais que tu l'es. On est rendu là. Maintenant, on doit y aller. Ça va? Ouais, ça va. Et toi, t'es cool? Ouais. Cool. Alors, où on va? Rencontrer un de mes informateurs, un dealer. Il s'appelle Corey Dubois. Dès qu'il apprend que les Rollin 40s sont sur un coup, bah, il m'appelle pour me donner tous les détails. On va voir ce qu'il a. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ton gars? Marcus? Marcus, tu fais quoi?
Marcus, tout est passé. Police! Je suis un officier de police. Lâche ton arme, dépose la par terre. Mets-la tout de suite par terre. Une minute. Dépose ton arme. Pour la dernière fois, dépose cette foutue arme. Bien, je te descends. Pour c'est tirer. Une embuscade. Allez, dépose ton arme par terre, j'ai dit. Cap 2, fusillade. Suspect touché. 8e et Washington. Le tireur est en fuite. Identité, Luis Pinto. Hé, hey, mon gars. Parle-moi. Comment tu te sens, mon gars? Exerce une pression pour arrêter le sang. Hey. Écoute-moi. Ok. Ça va aller. Hey. Ok. Comment tu t'appelles? Chut. Comment tu t'appelles? Appelle une ambulance. Il perd du sang. Allez, appelle. Pinto était ici. Il est sorti de nulle part. Il lui a tiré dessus. Allez, appelle. Marcus, tu m'entends? Ici unité 342, un officier a été abattu, 999. Unité 342, officier à terre, 999. Information transmise, des coups de feu ont été tirés sur les lieux. À toutes les unités, 999, 8e et Washington. Et voilà. Je vais
Dépêchez-vous. Jeff, t'as entendu le message? Ouais, 999. C'est Chris. Merde. Allons-y. Fermez le périmètre. Mais tu sais quoi faire? Les mains en l'air. J'en sais rien, non. Jeff! Je l'ai vu. On sait pas si c'est Chris qui a été touché. On n'est pas sûr. Jeff! Fais attention! Je contrôle. Les gars, vous entendez? C'est un 2-11. Oui, je t'ai entendu. Jeff, attention. Coin nord-ouest, 8e et Washington, îlot 6, officier à terre. Vous allez faire exactement ce qu'on va vous demander. Ce qui est attaché à ta tête est 10 fois plus puissant. On ne peut pas ouvrir la chambre forte sans ouverture et ta minuterie. On ne peut pas l'annuler. Le temps en pour véhicule en renfort. T'as qu'à envoyer une autre voiture. Ligne, toi et tes gars au 2-11. Non, non, chef. Attention. Non. Quelle merde! Explosion dans 3, 2, 1. L'alerte est donnée. Une seule voiture. Ils seront là dans environ 7 minutes. Thank you.
Sawan. Ne vous tuez pas. Tyrion. Tenez-vous prêt à intervenir et à leur barrer la route. T'as tout, Mike. En haut à 11h. 4 unités. Attendez que les prisonniers soient en sécurité. Ils s'en vont. Ok, c'est bon. Vous avez le feu vert. Feu à volonté. Alors le gars est latino, il a environ 30 ans, il est très très maigre, il est tatoué partout sur le corps. Jeff, il peut rien, ça va. Le gars est sorti de part, il est tiré, T'es sûr que t'as jamais vu ce Gabe Welch auparavant? Tu vois les traces? Ouais. Tu vas prendre des photos. Je l'ai vu il y a environ une semaine au bar où j'étais avec Marcus. Qu'est-ce que t'en dis? J'en sais trop rien. Il va falloir. Les deux se sont disputés. J'ignore pourquoi, j'ai pas entendu. Mais Marcus a dit que c'était un informateur avec qui il travaillait. Alors, tu l'as vu au bar, chez toi et ici. Alors ça, c'est une incroyable série de foutues coïncidences. Rappelle-moi de jouer à la loterie. Ok, parlez-moi de Luis Pinto. Luis Pinto est encerclé par le SWAT, pas très loin d'ici. Détective Rodriguez, homicide. Détective Allen, des crimes majeurs. Vérifiez s'il y a des marques de projectiles sur les... Voilà peut-être un qui nous éclairera. Tu crois qu'ils vont juste l'arrêter et le mettre dans une cellule douillette? Non, il a raison. Tu connais ce gars-là? Oui, ça va, merci. J'ai tout ce qu'il me faut. Non, je le connais pas. Mais Marcus, c'est sûr. Maintenant, excusez-moi. Tous les autres, sortez d'ici. Il faut se rendre aux 211. Ces gars-là sont sérieux. Laisse-moi deviner. C'est notre équipe. Ouais, ça m'en a tout l'air. Mais pas tous, on dirait. Tu peux me dire, c'est quoi ça? Tu l'as enveloppé pour nous? Non, man, c'est pour Félix. J'avais des doutes que tu pourrais y arriver. Je pense que j'avais pas le choix, hein. Mais dis-moi, tes gars sont où, hein? J'aimerais bien les rencontrer, finalement. Trop tard. Ils sont partis. T'es certain? Et si je décidais d'aller secouer quelques branches au département et regarder quelques policiers pourris tomber? Ne me regarde pas comme ça! Tu sais que toi et moi, on a des intérêts communs! Irina, je pense que j'en ai assez entendu. Ma patience a des limites.
Où est mon fils? Où est mon fils, espèce de foutu chienne? Félix! Nos chiens pour qu'ils baisent nos prisonniers. Est-ce que tu t'imagines? C'est ce qu'on raconte. Qu'on les déshonore avec des chiens entraînés. J'imagine que c'est comme ça qu'Elena se sentait à chaque fois qu'elle se faisait baiser par un macaque. Je devrais te tuer, vraiment, je devrais. Mais ma foutue sœur ne me le pardonnerait jamais. Et le plus important, c'est comment Félix arriverait à m'aimer encore. Prends ton argent. Et va-t'en, Michael. Et ne cherche pas Félix, parce que je le saurai. Je serai plus qu'heureuse de lui apprendre que c'est un cadeau d'adieu de la part de son père. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour cet enfant? Ça va. Je vais bien. Tu saignes. C'est pas mon sang. Comment il va? Il est sorti de la salle d'opération. Il a une balle logée dans le crâne et il est hors de question de l'enlever. Il a de l'enflure au cerveau qui pourrait ne pas se résorber. Hey, Chris. Va le voir. T'as du neuf? Le sergent Nelson a téléphoné. Pinto est mort. Le SWAT a fait une douzaine de trous dans ce salaud. Il est parti. Très vite. Ils l'ont amené il y a une heure environ. Je n'ai pas eu le temps de les nettoyer. C'est à lui ce qu'il a? Ouais, c'est à lui. C'est tout ce qu'il y avait? Ouais, c'est tout.
Hey, Mike. C'est moi, Franco. Relax, man. C'était rien qu'une blague. T'es vraiment amusant, Franco. L'argent, tu l'as récupéré? Ouais, je l'ai. Et Marcus? Cet imbécile respire encore. Je vais m'en charger. Comme je me suis occupé de la pute de Gabe, un autre cadavre acheté au panier. Toi, ça va? Un peu de douleur. Ouais. Donc c'est ça, hein? Jusqu'à la prochaine fois. Ouais, Franco. Ouais, c'est ça. Règle, tu vois. Le premier d'entre nous qui enlève une arme de la rue a un jour de congé. Il rentre chez lui. Je vais me reposer dans mon fauteuil. Tu sais ce qu'il m'a dit, ce gars-là? Je parie que t'as une arme sous ton t-shirt, j'ai raison. Tu comprends ça? Ouais. Hein? Ouais. Je suis prêt à oublier ton arme si tu réponds à mes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu connais Marcus, mon partenaire? Ouais. Il est venu ici le matin où il s'est fait descendre? Il était au parc sans moi? Ce matin-là, il s'est arrêté et a parlé à mon gars, Louis. Marcus est passé et a discuté avec Louis le matin où il s'est fait descendre. Ouais. Surtout, te moque pas de moi. Non, man, je suis sérieux. Donne ton arme. Qui est là? Jeff, c'est Chris. Ta mère me voyait aujourd'hui. Il y a des gens à qui tu peux en parler, tu sais. Il n'y a aucune honte à y avoir. Les affaires internes. Ils disent qu'il n'y a personne au-dessus de tout soupçon inclus en moi. Et Rodriguez des homicides n'y croit pas. Il dit que c'est pure coïncidence. Quoi? Je crois que c'est encore pire que ça. Je crois que Marcus était dans le coup. Qu'il a dit à Louis Pinto de régler mon cas. Tu peux le prouver? Peut-être bien. Marcus et Gabe ont des antécédents. Ils ont travaillé dans le même commissariat. Oh. Une équipe de quatre hommes. Michael Atwood et un policier qui est à moitié mort. Alors demande-toi, qui est le quatrième? Ouais. La petite amie de Gabe. Deux balles dans le corps et une derrière la tête. Ça, j'aurais dû le voir venir. Il y a quelqu'un qui fait le ménage derrière eux et je parie qu'il porte un badge. Patron. J'ai besoin d'aide. Je vous écoute. J'ai besoin d'une copie du dossier sur l'assassinat de Léa Green. Et le nom de l'officier qui dirigeait les opérations sur la scène de crime quand ils ont trouvé le corps.
D'accord, mais ce sera nos petits secrets, rien qu'à nous. Merci. Je savais que je te trouverais ici. Comment il va? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu pouvais revenir au poste avec moi. J'attends toujours ta déposition complète. Ah ouais? Ouais. Hey Jeff, je suis dans l'ascenseur, ça se peut que ça coupe. Chris? Ouais. Chris? Ouais, je t'entends, alors? Ne fais rien. C'est Rodriguez. Dis ça encore? C'est le détective Franco Rodriguez. Ok. Ouais, ben, je passerai plus tard. À plus. Tout va bien? Ma voiture est de ce côté. Je te retrouve au poste. Unité 342, des coups de feu ont été tirés au Saints Memorial. Le stationnement sur les toits, je répète, des coups de feu ont été tirés. 999 au Saints Memorial. Unité 342, la dernière ligne a reçu Saints Memorial. Officier à terre, à toutes les unités changées pour le canal 2, 999, 3e avenue Nord. Okay.
What do you got?
shop and the building next to the location. Suspects are seen climbing out of both windows, male Hispanic and a possible male black.